The BBC explains the Neotrogla female, we're guessing on the pronunciation there, has an elaborate penis-like organ that it inserts into the male's vagina-like opening. On va dire que ça compte pas. De toute façon, c'est des insectes. Ce qu'il faudrait voir, à la limite, ça serait les trucs qui sont proches de nous. Oui. Ceux dont on peut mieux comprendre le moyen de communication. Ouais, par exemple, là-bas, les humanoïdes, quoi. J'allais penser aux dauphins, enfin, ouais. Ils ont un langage aussi. Bah oui, les chimpanzés, évidemment. Et bon, t'as pas d'informations particulières sur les chimpanzés? Non. Aucune, je... Tu n'as pas étudié le masculin et le féminin chez les chimpanzés? Non. Bah tu sais quand même qu'il y a plusieurs sortes de chimpanzés. Oui. Et oui, il y en a. Et je sais aussi que les chimpanzés, aussi comme les hommes, peuvent former de différentes cultures dans le sens de... Dans une région, les singes utilisent une telle outil qui n'est pas utilisée par les autres. Ah oui, c'est quelque chose qui se transmet d'une génération à l'autre. C'est ça qui est considéré comme une culture. Oui, dans cette espèce, oui. Comme chez certains singes, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et... Ouais, ok. Eh ben, à ce compte-là, ça se rapproche à peu près de l'être humain, au sens où il y a des choses qui se font, et puis certains individus qui font autre chose. Ouais. Qui font la chose qui ne se fait pas. Ouais, non seulement individu, mais aussi communauté. Ouais. Oui. Donc, j'ai dit ça comme amateur, je ne suis pas du tout expert sur ce sujet. Tu n'es pas primatologue. Non. Non. Donc, faut pas exagérer, tu connais déjà beaucoup de choses. Mais ça va, tu es sociologue, c'est déjà assez compliqué. Oui. On va pas t'imposer plusieurs cursus, déjà que le français n'est pas ta langue maternelle. Oui. Qui veut deviner quelle est la langue maternelle du monsieur? Je crois que c'est pas trop difficilement un bac. Tu vas voir. Donc au final, pour savoir si le singe est transgenre, il faudrait pouvoir parler avec lui. Il faudrait qu'il puisse parler de son identité. Et il faudrait qu'il ait une identité. Parce que le concept en question, c'est peut-être nous qui l'avons inventé, on ne peut pas savoir. Et il faudrait que cette identité soit en porte-à-faux avec la norme sociale du groupe. Oui. Regardant les rôles masculins et féminins, quelque chose comme ça. Oui. Alors après, tout ça c'est envisageable, mais de là à dire que le singe est plutôt transgenre ou plutôt travesti, tu vois. C'est ça qui permet de comprendre ce que c'est transgenre en fait. Oui. C'est en faisant, en disant ce que ce n'est pas. Parce que si c'est juste contrevenir aux normes sociales, tu vois. Si c'est juste, toi demain matin tu te promènes en robe dans Besançon. Tu serais toujours la même personne. Ton identité changerait pas, tu vois. Ouais. Mais si un chimpanzé se comportait comme ça, comme on ne peut pas discuter avec lui. Donc en fait, le seul diagnostic possible, c'est de demander à la personne ce qu'elle en pense. Oui. On ne peut pas étudier sa situation et deviner. Ben, le chimpanzé, c'est trop compliqué, parce que s'il pouvait parler, on ne sait même pas s'il parlerait de ce genre de sujet. Bah enfin, on peut apprendre au chimpanzé le langage de signes. Oui. Ça c'est possible. Donc. Oui, mais on ne peut pas savoir si quand on leur apprend, par exemple, admettons on leur apprend le mot mâle et femelle. Oui. Et on demande au chimpanzé s'il est mâle ou femelle. Et le chimpanzé est mâle et il dit qu'il est femelle. Bon. Ce mot qu'on lui a appris, est-ce qu'on est sûr que ça recouvre le même concept pour lui que pour nous? Parce que peut-être ça veut juste dire que il préfère les rôles sociaux attribués aux chimpanzés femelles. Tu vois, par exemple, ils préfèrent s'occuper des petits. Je sais pas, les trucs que font les chimpanzés femelles, j'en ai aucune idée non plus. Par exemple, elles transportent les petits sur leur dos quand le groupe se déplace, et peut-être eux, ils préfèrent faire ça que d'être ailleurs et faire autre chose. Par exemple? C'est comme un homme qui préfère rester homme au foyer et s'occuper de ses enfants et que sa femme aille travailler. Il est pas transgenre. Non. Il est juste pas stéréotypé. Ça, c'est une nuance importante. Ouais. Si tu commences à dire, tu vois, si tu dis que tous les mecs en robe sont transgenres, c'est comme si tu disais que tous les coiffeurs sont homos. T'as le comportement, t'as les activités de la personne, t'as ses goûts, et tout ça, c'est pas son identité, c'est ses actions. L'identité a une influence sur les actions,
mais pas l'inverse. Oh, tu peux nous parler des nazis? Non, pourquoi? Pourquoi sur pas quoi? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il a à dire sur... Non. Il a d'autres sujets que toujours ça. Non. Tu es historien? Oui, je suis historien, et alors? Eh ben, oui. Tu dois parler des nazis, non. C'est dans ton contrat. Non, mais juste... Est-ce que les nazis avaient quelque chose contre les personnes transgenres ou est-ce qu'ils s'en foutaient? Leur planning étant déjà assez chargé et les personnes transgenres étant pas très nombreuses à cette époque-là. Pas que je sais. Le mot n'existait pas. Le mot déjà, déjà. En 64. Déjà, il est connu que déjà les homosexuels, mais par contre seulement les homosexuels masculins étaient arrêtés souvent. Oh bah oui, les homosexuels dans les camps, n'existent comme... pas. c'est vrai parce que la loi, en fait, le paragraphe 175 était seulement applicable aux hommes, pas aux femmes. C'est vrai. Ben les femmes, elles faisaient rien de si méchant au final. Bah oui, eh bien. Est-ce que c'est juste des câlins? De toute façon, on connaît ça, les lesbiennes c'est cool, mais les PD c'est quoi, c'est pervers et voilà. On connaît ces doubles mesures, oui. Ouais, ce n'est pas nouveau. Le législateur trouvait ça sexy, donc je sais pas dit que c'était. C'était même avant les nazis, le paragraphe 175 était seulement applicable aux hommes. Oui. Oui, mais avant les nazis, c'était il y a un siècle, quoi, et à cette époque, on savait même pas que les femmes avaient une sexualité. Oui. Donc c'est pas juste qu'on favorisait, tu vois, qu'on disait oh les lesbiennes c'est cool. Non, mais c'est... Le mot était peut-être même pas tellement répandu. Oui, mais évidemment, même si ça existait, on le jugerait comme un phénomène qui n'est pas tellement grave comme peut-être comme qu'on considérait pas que la femme était vraiment, tu vois, que, peut-être qu'on pensait qu'elle était bisexuelle, que c'était je sais que le mot existait, une virago, c'est une femme un peu masculine dans ses manières, et puis que elle avait cette inclination un peu bizarre par rapport aux autres femmes, mais à part ça elle pouvait quand même être mariée, avoir des enfants, faire son travail de femme, donc c'est une infantilisation, quoi. Ouais, je sais pas si les nazis pratiquaient encore l'infantilisation de la femme ou si c'était un peu plus moderne dans leur point de vue. Infantilisation dans le sens, que les femmes surtout, ça existe pour avoir des enfants et pour s'occuper du foyer, oui. Ça, évidemment, oui. Mais seulement dans une communauté de guerriers, ça dérange qu'il y a des hommes qui soient différents, qui soient en danger pour l'image, comme ouais. Ah, c'est ça, c'était un problème de look. C'était pour avoir l'air cool, il fallait avoir l'air macho et pour faire peur aux autres pays, et quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ça, et c'est bien, mais... C'est une idée de propagande. Bah oui, mais en plus, un peuple de guerriers doit se reproduire, et s'il y a des... Oui, évidemment, il y a des... Pour remplacer les guerriers morts. Eh bien, il y a des hommes qui ne se reproduisent pas, et puis c'est bien encore contagieux, et puis... Je vois. Et puis, enfin... Et un jour, tu vas te retourner, il n'y aura absolument plus d'Allemands, soudain. Bah oui, c'est surtout... bah oui, c'est ça, et bien... exactement pour cette raison, à partir de 1941, la production des moyens de contraception était interdite, par exemple. Oui. Oh, d'accord. Et il y avait... Et les enfants non désirés, qu'est-ce qu'ils devenaient alors? Ils étaient pris en charge par l'État ou... Bah oui, en fait, il y avait même des... Je sais pour les soldats d'SS et leurs enfants, oui, il y avait vraiment des crèches. Il y avait vraiment des crèches qui étaient fondées presque partout en Europe. Surtout en Norvège, il y en avait beaucoup. Pourquoi en Norvège? En Norvège, on avait un gouvernement fasciste installé. Qui collaborait très, très bien avec les nazis, parce qu'en fait, les soldats allemands... Et puis les norvégiennes sont blondes, elles font des beaux enfants. Oui, c'est surtout ça. C'était encourageant. Les parisiennes, ça va. C'est connu qu'il avait aussi assez d'enfants de boche, comme on les appelait. Oui. Ça, donc,
Bon, eh bien, oui, et aussi les enfants qui sont nés là en Norvège aussi, c'était aussi une honte pour eux d'être des enfants de soldats d'SS. Donc, on met les homos dans des camps. Il y a une partie des personnes transgenres qui sont embarquées avec, puisqu'on ne fait pas trop la différence. Ouais, Ceux évidemment. qui ont fait une transition, parce que ça existait à cette époque, est-ce que éventuellement ça peut être considéré comme des bons citoyens? Par exemple, Bah, ah, bien, les hommes tout. transgenres, un guerrier en plus. Il peut pas se reproduire, mais un guerrier en plus, techniquement, il s'est donné naissance à lui-même, tu vois. Tu vois. Ça, je ne. Ouais, ça existe Je au n'ai moins. aucune idée. Je sais de plusieurs. Oui, de plusieurs nazis homo. Eh bien, Ernst Röhm était le plus connu. Mais sinon, je n'en ai. Des étrangers, je n'ai aucune connaissance. Non, je pense que ça se terminait très mal pour eux. Oui. Eh bien, déjà pour les. Pour les Trop individualiste de toute bah façon. déjà pour les pour les pour les pour les, pour les nazis homo, ça s'est fini très mal. Donc parce que comme je crois le destin de Ernst Röhm est connu, il a été assassiné en 1934, donc un an Ouais. après Enfin, la pas montée très de né. pouvoir. Donc Moi, j'avais entendu parler de personnes transgenres qui vivaient en Allemagne ou dans des pays qui ont été conquis par l'Allemagne, mais qui sont partis aux États-Unis. Ils ont tous fui. J'ai pas d'exemple de ceux qui auraient été arrêtés, mais c'est évident que les gens qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas, de toute façon, à cette époque-là, se payer d'opérations et qui vivaient comme travestis dans des bars ou des cabarets, ils se sont fait embarquer avec les autres. Et après, ben. Entre deux types en pyjama rayé, c'est difficile de reconnaître celui qui portait une perruque dans le civil. Ouais. Voilà. Malheureusement, c'est simplement sur les patients transgenres pendant le national-socialisme. Je ne sais pas assez. Je ne sais même pas s'il y a de la littérature sur ce sujet. C'est possible que ça n'ait juste pas été étudié, en effet. Oui, Déjà, bah. les personnes homosexuelles pendant la période nazie, on n'en parle pas depuis très longtemps. Oui, ça déjà, c'est un sujet très nouveau. Et puis, Je crois que oui. maintenant dans les livres d'histoire on en parle, mais pendant une période on n'en parlait même pas dans les livres d'histoire, c'est-à-dire Ouais. à la limite les tziganes et les handicapés. Mais Ouais, bien sûr, bah, c'est un sujet assez nouveau. à la limite ce qui pourrait développer l'étude, ce serait un regroupement, tu vois, que les associations par exemple pour la reconnaissance des victimes de guerre homo, elles étendent le label quoi, et qu'elles disent les victimes LGBT, lesbiennes, gays, Ouais. bisexuelles et transgenres. Et qu'on considère les personnes transgenres comme une extension. Oui. Ce qui en général leur plaît pas, puisque les problématiques sont pas les mêmes. Mais là, Oui. dans le cas des nazis, je pense que les problématiques étaient sensiblement les mêmes. De Oui, évidemment. toute façon, pour beaucoup de trucs, les choses elles vont bouger comme ça. C'est par une unification avec des groupes puissants, comme le lobby homosexuel, tu Ouais, vois. bien sûr. Le terrible lobby homosexuel. Ouais, bien sûr, elle est très puissante, elle est partout. Ouais, Bien partout, t'es sûr. très fier de là derrière toi.